Vous allez découvrir tout de suite comment sélectionner très facilement des objets avec Blender et comment les désélectionner aussi facilement. Donc ce que nous allons voir dans ce tutoriel, c'est le mode de sélection qu'on appelle par boîte, donc qui permet de sélectionner des objets dans une boîte bien particulière, c'est-à-dire dans une sorte de rectangle. Pour cela, nous utilisons la touche B et le clic gauche de la souris pour sélectionner. Vous voyez que lorsque j'appuie sur B, ça affiche deux traits qui suivent le pointeur de ma souris. Il suffit que je clique, que j'étende ma boîte pour effectuer une sélection. Maintenant, si j'ai sélectionné trop d'objets et que je veux en désélectionner, mettons je veux désélectionner les objets qui se trouvent à droite, il suffit que je fasse encore B, mais que au lieu d'appuyer sur le clic gauche de la souris, je clique sur la molette de la souris. Là, je refais une sélection sous forme de carré, et ceci me permet de désélectionner les objets préalablement sélectionnés. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. À très bientôt pour un prochain tutoriel.